10 minutos, ¿oído? ¡Sí, chef! François dit nous restaurant des Canaries. Bienvenidos a Reino de Salvador Dalí. C'est des cuisiniers, ils peuvent aider ton père au soir, voyons. Mon père, il a des agents. Mais non, Jean. Jean, on va faire le steak. Je suis reconnu pour mes pâtés croûtes, les méquenelles. Jean, quoi? Steak. Quoi, le steak? Bah, trop cool. Il est parfait, ce steak. Du coup, t'as tes clients qu'ils apprennent à manger, ouais. C'est le grand problème de Jules. Monsieur Dalí, Monsieur Dalí, je suis Jules. Está desesperado por conocerle para que vaya a su restaurante. Ils sont réel. Ils ont besoin d'un travail temporaire. Après, ils continuent leur rôle, basta. C'est Dalí. Il est sorti plus tôt que prévu. Toi, tu fais la bouillabaisse et moi, je la lui porte en bateau à son retour. Bon, allez, allez, on se dépêche, là. Attendez, Monsieur Dalí, attendez. Tu serás el nuevo chef del Surreal. No creas que trabajar para mi padre es un regalo. Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. ¡Esto! ¿Ese tío está pescando con un sabor? A mí me gusta este lugar. Hay belleza, flor, gusto, tacto. Tú eres distinto. No eres como los otros cocineros que ha tenido papá. Esa cocina es distinta, es de esta tierra. Vous avez en cuisine un véritable artiste. Nous avons peut-être affaire à un nouveau Dalí de la cuisine. Bueno, a veces para conseguir un sueño se te tiene que ir un poco la cabeza. Este chico se merece las cinco toc del Goemillo. Esto es lo que estaba yo esperando. Un pasaporte para que venga Dalí a comer aquí. Comme dit Churchill, la réussite c'est de passer un échec en échec. Sans jamais perdre son enthousiasme. Et surtout, garder sa dignité.